Culture française et notre histoire a fait que durant de nombreuses années, les enfants en situation de handicap ont été cachés, mis à l'écart. Avec l'accord de la famille, on va recueillir leurs souhaits, leurs attentes et durant un mois, être sur un travail d'expertise, de prospection pour non pas recommencer des bilans ou des évaluations, mais bien être dans une logique de parcours des personnes accompagnées. Au bout d'un mois, en effet, on va revoir la famille et leur présenter une offre de service en lien avec les besoins de leur enfant et surtout leurs attentes et leurs souhaits. Cela fait 5 ans que je travaille avec le dispositif médico-éducatif du Perche. On a un échange avec des jeunes qui ont des parcours divers et variés, pas des plus faciles des fois, mais qui ont envie d'évoluer. Ensuite, c'est aussi avec les éducateurs, hein, c'est vrai qu'on leur donne des supports de travaux qu'on met au niveau des jeunes. Et puis c'est quand même un atelier qui a à Mortagne-au-Perche une importance en termes d'effectifs. Donc c'est vraiment tout un lien de proximité et qui est important pour nous. Travailler à l'extérieur. Alors on fait de l'étiquetage, de l'essuyage, des mises en carton. C'est mon projet de travailler en ESAT et en conditionnement. Vous étiez content, vous étiez fier? Fier. Parce que c'est notre travail. C'est un mode de travail très agréable parce que ce sont des jeunes qui sont tous différents. On a quelques rencontres des fois avec des jeunes où on se dit c'est vrai que demain peut-être qu'ils pourraient faire partie d'une équipe comme la nôtre. Des fois, je nettoie les garnitures de porte, des fois le table board, ou des fois l'aspirateur. On a fait des petites réparations ensemble, changer des freins, démonter des intérieurs, des kits bois sur des voitures utilitaires qu'on a fait ensemble, qui leur plaît beaucoup de faire autre chose que du nettoyage. Ils font bien quand même leur travail, c'est assez soigneux, non, il n'y a pas de souci. Ça, pour ça, il n'y a pas de problème. Lors de la mise en place en septembre 2016 dans les écoles primaires de l'enseignement catholique sur les 4 territoires de Mortagne, Bellem, L'Aigle et Alençon, on a pu constater une baisse des troubles du comportement de 70%. Cette baisse s'explique parce qu'en effet, il y a eu tout un travail de préparation, mais également parce que le vivre ensemble fait que chacun peut développer ses compétences, mais aussi des enfants dits du milieu ordinaire peuvent mieux appréhender le handicap.
It's finally nice to see you. It's been a long time coming. Tony, quand il est arrivé, il était plus renfermé déjà. Donc là, il y a une ouverture énorme au niveau du sourire et aussi de ses compétences par rapport au début d'année. On les voit quand même mûrir. Nous avons été plutôt emballés par le projet parce que ça nous paraît important d'accueillir des jeunes en difficulté dans un milieu ordinaire. Ça me paraît important de donner une chance aux jeunes et de les valoriser et de leur montrer qu'ils sont comme tous les autres enfants de leur âge, avec leur parcours et avec leurs difficultés. Après qu'il y avait une IME qui s'installait, l'IME du Perche venait s'installer ici, donc on s'est dit Eugénie voulait venir dans mon école donc, pour me voir plus souvent. Moi je dirais que c'est un projet quand même hors du commun et moi je suis vraiment heureuse qu'il arrive. Maintenant, j'aurais vraiment souhaité qu'il arrive plus tôt parce que. Et donc, je pourrais résumer vraiment par un mot qu'on partage, hein, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on s'enrichit vraiment mutuellement de cette expérience et vraiment mutuellement. C'est-à-dire que les enfants grandissent, mais ils nous font grandir aussi. Les jeudis matins, tout le monde est bien content de rencontrer les jeunes. Les jeunes se comportent comme des pros, et même s'il y a eu une certaine appréhension au départ, mais maintenant, tout se passe très très bien. Ça représente des temps qui sont vraiment très agréables pour les enfants qu'on accueille. Parce qu'ils sont mélangés au même titre qu'à l'école, dans des activités de manuels comme des activités sportives. Donc vraiment des temps qui sont très agréables pour nos enfants. Les enfants vont bénéficier des loisirs dans les centres de loisirs, dans les maisons, dans les MJC, dans les clubs sportifs, avec un vivre ensemble qui va permettre de développer leurs compétences. Le partenariat se fait sur plusieurs points. Donc on a un premier point qui est au niveau de l'entretien des terrains. Donc on a des jeunes qui viennent tous les lundis matins et les mercredis matins pour remettre en état les terrains, pour aussi qu'eux apprennent et puissent apprendre justement sur le vif du sujet. Elles font partie intégrante du projet du club, ça c'est une certitude. On a des jeunes qui viennent en tant que licenciés. Les éducateurs les ont dans leurs effectifs. Ce sont des personnes tout à fait normales, même si j'aime pas le mot, mais qui sont intégrées dans le club. Et puis j'espère surtout que ça va continuer à se développer. C'est enrichissant et pour nos jeunes et pour les jeunes également de la structure. Donc c'est tout à fait bénéfique sur tous les points. It's finally nice to see you.
Aujourd'hui, ce n'est pas le projet du dispositif médico-éducatif du Perche, mais bel et bien un projet de société à réinventer où chacun doit pouvoir s'exprimer. Always.